Voilà, chers amis, Parashat Kedoshim, si vous voulez bien prendre le texte, ça peut aider. Il y a énormément de halakhot dans la Parashat de Kedoshim, et nous allons choisir quelques versets qui sont à la suite des uns des autres. Dans le Sheni de, donc à la page 700, Lota asu avel bamishpat, lotissa penedal, veloteda penegadol, betzedek tishpot amitecha. Je traduis, vous ne commettrez pas de perversion en justice, tu ne favoriseras pas le pauvre et n'auras pas d'égard pour le grand, avec droiture tu jugeras ton prochain. Donc avec droiture, donc a priori un pasuk qui ne concerne que les juges, qui donc doivent rendre un jugement sur une question financière ou autre. En général, c'est des questions financières. Et on nous demande à ces juges d'être dans l'impartialité la plus totale. Mais Rashi nous dit quelque chose d'autre. Évidemment, ce n'est pas lui qui l'a inventé. C'est écrit dans le Midrash. « Betzedek tishpot amitecha di Rashi davar acher hevedan et chavercha lekav zechut. » Juge ton prochain favorablement. Voilà le commentaire de Rashi. Nous continuons, parce qu'il faut voir la suite pour pouvoir comprendre ce que je vais expliquer aujourd'hui. L'otelech rachil be'amecha. Alors, tu n'iras pas tel un colporteur dans ton peuple, donc c'est le lav, l'interdiction principale de la médisance, du lachonara et du la rechilut. L'otamod Adam Re'echa Ani Hashem. Donc tu n'iras pas en colporteur parmi ton peuple, tu ne te tiendras pas à l'écart face au sang de ton prochain. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Donc l'oteler rachil be'amecha, on va devoir l'expliquer un peu plus longuement pour expliquer quelle est véritablement cette expression un peu étonnante qui est, a priori, le Lachonara, ça aurait pu être dit clairement, ne dis pas de Lachonara, Altoma, Lachonara, je ne sais pas, la Lotelech Rachil, tu n'iras pas tel un colporteur, n'est pas évident. On va l'expliquer dans quelques instants. Et qu'est-ce que ça veut dire, ne pas se tenir à l'écart face au sang de ton prochain? Explication simple, non-assistance à personne en danger. Non-assistance à personne en danger. Et on continue parce qu'on va expliquer, c'est surtout les différents psukim qui se suivent qui vont être le cours. Lotisna et achicha bilvavecha. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Ocheach tochiach et amitecha. Donc tu réprimanderas ton prochain. Velotissa alav chet. Et ne portera pas de faute à cause de lui. Alors là, assez simple de comprendre les deux premières phrases. Qu'est-ce que ça veut dire tu ne porteras pas de faute à cause de lui? Rashi, les commentateurs expliquent que ça veut dire l'otalbin et panav barabim. C'est une interdiction de la Torah de faire honte à son prochain en public. L'interdiction de faire honte à son prochain en public. L'otikom ve l'otitor et bene amecha, donc l'interdiction de se venger, ve ahavta le reacha kamocha, tout le monde connaît cette phrase, ani Hashem. Donc voilà, on a posé le cadre, on a compris de quoi il s'agissait grosso modo, mais je voudrais aujourd'hui donner une explication qui va reprendre ces différents versets et leur donner une autre lecture. Alors, une autre lecture, j'exagère, c'est une explication plus profonde. D'abord, la première, pour moi, tout commence par Betzedek Tishpot Amitecha. Donc, juge ton prochain favorablement. Alors, déjà, j'aurais dit, ne juge pas ton prochain. Et dans Pirkei Avot, on enfonce le clou, Evedan et Kol Adam, les Kav Zechut. Juge ton prochain favorablement, j'aurais dit, ne juge pas. Dès qu'il y a quelque chose qui concerne ton prochain, tu dis, je ne juge pas.
je ne connais pas, je n'ai pas à juger. Donc, le fait de dire juge favorablement, c'est déjà dire on peut juger ou il y a un intérêt à chercher à juger favorablement. Ce que je voudrais expliquer, c'est que la Torah veut qu'on juge, elle veut qu'on juge favorablement, qu'on cherche à favoriser et à donner un jugement favorable sur l'autre. Alors, ce qu'on regarde un petit peu dans la halakha, on essaie de réfléchir un petit peu comment ça se traduit dans la halakha. La halakha dit clairement que si, par exemple, j'ai un monsieur qui est reconnu pour être quelqu'un qui est shomer mitzvot, qui respecte les mitzvot, et que j'ai une situation un peu ambiguë, mon devoir, c'est de le juger le kav zechut, même s'il y a beaucoup plus de raisons de le juger défavorablement. C'est-à-dire même si j'aurais beaucoup de raisons de le juger mal, je dois faire un effort pour le juger favorablement. C'est-à-dire même s'il y a beaucoup plus de raisons de le juger défavorablement, je dois, moi, m'astreindre à le juger favorablement. Et trouver quelque chose pour le juger favorablement. Maintenant, c'est ambigu, parce que effectivement, on peut trouver... Maintenant, s'il n'y a aucune ouverture, aucune issue, eh bien, on n'a pas le droit d'être idiot, quoi. On ne peut pas non plus dire n'importe quoi. Il a fait quelque chose. Il n'y a pas d'explication plausible, possible, de favorable. Non, on ne peut pas le juger favorablement. S'il n'y a pas d'issue logique. Mais on parle d'un cas où il y a beaucoup plus de raisons de le juger défavorablement que favorablement. Mais il y a quand même une possibilité un peu lointaine de le juger favorablement. Il faut le juger favorablement. Mais c'est lui qu'on juge. Alors en fait, on juge la personne, peut-être pas de raison, mais il y a eu une action qui s'est faite, il y a eu un massé, il y a eu quelque chose qui s'est déroulé. Comment j'évalue ça? Quelle note je mets là-dessus? Mais je vous repose la question. À la limite, c'est pas mon problème, quoi. C'est Dieu qui juge les gens. C'est pas à moi de juger s'il a bien fait ou mal fait. C'est pas du tout le sujet. C'est-à-dire, c'est ce qui m'a mis sarve chauffette, qui m'a nommé juge. Moi, par exemple, tu entends une personne émettre un jugement sur une autre personne, tu devrais lui dire, écoute, tais-toi, tu n'as pas à émettre des jugements sur les gens. Point. C'est tout. Et là, on est en train de te dire, non, tu dois chercher à le juger favorablement. Non, je ne veux pas le juger du tout. Voilà, ce n'est pas mon problème, ce n'est pas mon affaire. Je ne suis pas concerné par cette histoire, même si ça me touche, et même si machin, mais ce n'est pas mes affaires, je n'ai pas à le juger. Non, on te dit, juge-le, mais juge-le favorablement. Ça, dans le cas où, on juge quelqu'un qui fait du mal à une personne qui le juge. Alors, attention, lorsqu'il s'agit d'un jugement, c'est-à-dire qu'il y a une nécessité d'aller chez un tribunal, d'aller dans quelque chose, c'est autre chose. Là, on parle de quelqu'un qui est extérieur. L'extérieur. La question de savoir, est-ce qu'il doit s'appliquer, il doit se dire, voilà, je vais juger, mais favorablement, mais ne juge pas du tout. Donc, en tout cas, c'est un vrai sujet qui nécessite une vraie réflexion. Le Chafetz Chaim, il a donné une explication très intéressante. C'est qu'il dit que là-bas, dans le Hakadosh Baruch Hu, dans le ciel, nous juge en fonction de notre façon de juger les autres. Donc, nous avons intérêt à être des juges très bienveillants. Le mot, c'est la bienveillance. Très bienveillant, pas idiot, pas naïf, mais bienveillant. Alors, pourquoi on a intérêt? Parce que après 120 ans, il y a plusieurs façons d'analyser nos actes. Il y a la façon très dure, sans circonstances atténuantes. Il y a une façon plus bienveillante. Il faut s'habituer à juger favorablement, de façon à ce que Hachem nous juge lui aussi favorablement. On a tous intérêt à ça, à s'habituer à ça. Parce que c'est notre intérêt à nous. Mais ce n'est pas seulement parce que c'est notre intérêt pour s'en sortir dans le jugement dernier. C'est surtout parce que ça nous forge une forme de caractère qui va influencer toutes les autres mitzvot qui vont suivre, en fait. Si on se force à être un juge
qui juge les autres favorablement, eh bien, tout le reste, tout ce qui va suivre, va couler de source. Mais si nous avons une attitude qui est une attitude assez, on va dire, assez dure et assez critique, ça va être très compliqué de suivre la suite et de respecter la suite. C'est très compliqué. Ça va être... Parce que... Alors, ne pas être jugé, c'est pas de l'indifférence, ça peut être tout simplement le fait de se dire « Qui suis-je pour émettre un jugement ? Qui suis-je ? Est-ce que je connais les motivations, la réalité de ce monsieur ? Qu'est-ce qu'il vit dans sa maison ? Qu'est-ce qu'il vit dans son intimité ? Quel est son passé ? Comment je peux... Vous savez très bien que Akadosh Baruch Hu juge en fonction des efforts. Donc en fait, il peut y avoir quelqu'un qui ne fait pas, pour nous, a priori, beaucoup de choses extraordinaires, mais Hachem le voit d'une autre façon, parce qu'il dit, mais pour lui, c'est énorme ce qu'il fait. Et une autre personne qui fait pour nous des choses extraordinaires, Hachem dit, mais ce qu'il fait, c'est facile pour lui. C'est facile, il a sa nature, il a vu ça à la maison, c'est normal, c'est pas spécial. Là où je l'attends, il n'est pas là. Si vous regardez comme ça le curseur, a priori, on devrait se refuser de juger parce qu'on n'a pas tous les éléments en un. Ce n'est pas vraiment toute l'historique et tout ce qui est derrière un acte. Donc, « Betzedek tishpot amitecha », c'est comme si Akadosh Baruch Hu nous dit « Je veux que tu te forces à sortir de l'esprit critique et malveillant sur l'autre. » Et après, il faut réfléchir un petit peu à un papa avec son fils, d'accord ? Un papa avec son fils, il va toujours essayer de trouver, dire non, mon fils, il peut pas, il est ceci, il a cela, il va trouver des excuses et des explications. Fais la même chose avec ton prochain. Et la même attitude bienveillante avec ton prochain. Voilà ce que nous propose ce qui a l'air de sortir de Betzedek Tishpot Amitecha et qui est le préambule face à la suite. Parce que c'est écrit Betzedek Tishpot Amitecha. Et juste après, c'est écrit « L'Otelech Rachil ». Et depuis quelques années, je vous ai déjà expliqué plusieurs fois, je vais juste résumer ce que j'ai déjà dit, pour ceux qui ne se rappelleraient pas ou qui n'ont pas entendu. « L'Otelech Rachil » est une phrase bizarre. Elle est très bizarre parce que vous voyez comment Rashi, il se prend la tête, Rashi, pour trouver une explication à ce verset. Puisque Rashi nous dit « Ani Omer ». Déjà, il commence par dire « Ani Omer, je dis ». C'est déjà rare que Rashi commence comme ça. « Al shem shekol meshalchem edem misabchei lashonara holchim bebateriem le ragel ». Parce que tous ceux qui racontent la shonara vont espionner leur prochain. « Ma yirura ou ma yishmura le saper basho ». Qu'est-ce qu'ils vont voir de mal ? Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir raconter ?« Nikraim olcher achel olcher gerigila ». Donc Rashi nous dit qu'il s'agit non pas de Rachim, mais de Ragil. Ragil, mais Ragel, c'est un espion. C'est-à-dire qu'en fait, Rashi nous dit qu'ici, il faut prendre le Chaf et il faut le changer par un Gimel. Enlever le Chaf et mettre un Gimel à la place. Il vous dit, c'est quoi on joue ici ? De quoi on parle ? Alors Rashi nous dit, parce que ce sont des lettres qui peuvent s'échanger, s'interchanger, le Chaf et le Gimel. Chez Kol Hotiyot, chez Motz Ehen, Mimakom Echad, Mitralfot Zubezu. Toutes les lettres qui ont la même origine, donc la labiale, vous savez, les lettres labiales. Gutturales. Il y a plusieurs familles de lettres. Donc si c'est dans la même famille, on peut des fois intervertir une lettre. Donc on prend le chaf, on met le gimel. Et quand ça t'arrange quand... Et là, ça l'arrange Rashi, parce qu'il dit Rashi, c'est ici... Vous avez compris que Rashi ici, c'est quand même un pashtan, un monsieur qui est toujours proche du pshat, et qui ici, Rashi trouve comme l'explication Ani Omer la plus plausible, c'est d'enlever le chaf et de mettre un gimel à la place. Vous vous rendez compte ? Et il vous dit, parce que bon, c'est des lettres, la bialucutura, c'est de la même famille de lettres, on peut les échanger, et voilà. Et qu'est-ce que ça donne ? L'hôteler Ragin ne va pas comme un espion. N'espionne pas ton prochain. C'est quoi un espion ici ? C'est que tu cherches la faille, de quoi le critiquer, pour pouvoir alimenter ta gazette entre copains, en disant, voilà, qu'est-ce que je vais raconter lorsque j'ai trop marre ? Évidemment, ce qui intéresse les gens, c'est jamais les choses sympathiques, mais c'est surtout les critiques. Et comme je suis un colporteur de critiques,
Donc Rashi nous dit, ne sois pas tel un espion, n'aie pas l'attitude de l'espion qui cherche la faille pour pouvoir raconter. Alors moi, je trouve ça très intéressant, cette explication de Rashi, parce qu'elle fait suite à la phrase de Batzedek Tishpot Amitecha. C'est-à-dire que ce sont des attitudes dans la relationnelle qui commencent avant toute... Il n'y a pas de friction, il n'y a rien du tout. Je suis là et j'observe les gens autour de moi. D'accord ? J'observe les gens. On me dit, juge-les favorablement, donc avec bienveillance, on a traduit, et ne va pas, tel un espion, regarder ce qui se passe autour de toi. Est-ce que ce n'est pas la même... C'est une approche et une philosophie de la vie, une attitude dans la vie, c'est de se dire, je suis là en train de regarder les autres, de les observer, mais un... J'essaye toujours avec bienveillance de trouver des choses positives, de ne pas trop de chasser la critique et au contraire de juger favorablement. Et deux, je ne cherche pas la faille, je ne cherche pas la faille. Ce n'est pas ce que je cherche. Mais c'est incroyable de voir comment les hommes sont naturellement portés vers cette recherche de juger mal, de trouver la faille, de trouver les problèmes, d'aller raconter après ce qu'il a pu voir chez les uns chez les autres. C'est notre nature profonde, hein, c'est pas... Donc on nous dit « Betzedek tishpot, force-toi à juger favorablement. » C'est-à-dire, fais un effort. Et chaque fois que tu auras réussi cet effort-là, tu as accompli cette mitzvah de Betzedek tishpot. En plus, c'est écrit tzedek. Tzedek, c'est ça le problème. C'est que le mot tzedek veut dire justice. Et là, on n'est pas en train de parler a priori de justice. On est en train de parler de bienveillance. C'est pas la justice. La Torah nous apprend ainsi que la justice... nous oblige à être bienveillants. C'est-à-dire que la justice nous oblige à être bienveillants. Pourquoi ? Parce que, en vérité, je répète encore une fois, dans le ciel et dans les évaluations d'Akadosh Baruch Hu, les choses ne dépendent pas du résultat. C'est les efforts. Et quand tu regardes les efforts, lorsque tu vois quelqu'un faire objectivement un acte qui n'est pas magnifique, tu dois te dire... Peut-être que ce monsieur, il a vécu des difficultés, qu'il a une éducation X, qu'il a tel problème personnel, etc. Pour essayer, avec justice, de le juger. Donc justement, c'est-à-dire en prenant en compte tous les éléments. D'accord ? Mais si vous le regardez comme ça, facial, superficiellement, et que vous y allez vous rentrer dedans, vous vous habituez à être l'espion qui cherche la faille, qui veut trouver le problème, etc. C'est tout le contraire de la bienveillance. Après, vous le savez très bien, que lorsque vous avez sur des gens beaucoup de critiques qui sont dans votre tête et dans votre cœur, ça va être très compliqué de résister à l'épreuve de la parole méchante, au minimum de la grimace. Vous êtes autour dans un groupe de gens qui commencent à raconter les louanges de Monsieur X, et vous avez vu des actes que vous trouvez absolument répréhensible. Ça va être très compliqué de se taire, de les laisser dire du bien et encore du bien. Non, mais vous avez dit encore du bien. Et puis vous avez vu quelque chose et vous avez très envie de dire, mais attendez, vous savez de qui on parle là ? J'ai vu des choses, je sais des choses que vous ne savez pas. Oh, comme ça nous mange. Mais si sur chaque personne, on a réussi à chasser la critique et à trouver un point positif, mais aucun problème, on dit pas du mal des gens, parce que tout simplement, on pense pas du mal d'eux. Si vous pensez du mal de quelqu'un, ça va finir par sortir, que ça soit par un grimace ou par une parole, etc. Donc, Betzedek Tishpot Amitecha est la condition, cette bienveillance, est la condition pour ne pas arriver à dire des mauvaises choses qui s'appellent l'Otel Rachil. Et c'est une attitude, c'est une façon d'être. Ensuite, Rashi donne une deuxième explication. Il nous dit que l'Otel Rachil, ça fait allusion à un passouk dans Daniel. Alors, je sais que c'est des versets que peu de gens connaissent. L'Otechul kurtzin ve'achlu kortzehon di Yehudaya. Achal kurtza be'malka. Qu'est-ce que c'est que ces mots bizarres ? Rashi explique. Nire be'enai, shayu mishpatam le'chol be'bet amekabel divrem shum al'ata. Ils avaient l'habitude de manger dans la maison de celui qui allait écouter leurs paroles, méchantes et médisantes, ils avaient l'habitude de prendre un apéritif, c'est une façon de renforcer le message. Lorsqu'on est autour d'une table,
et qu'on mange, les paroles qui sont dites sont plus facilement intégrées, avalées, que si on ne mange pas. C'est-à-dire qu'à travers la table, autour de la table, des messages passent de façon beaucoup plus forte. Donc, qu'est-ce qu'ils avaient l'habitude de faire lorsqu'ils avaient transmis un message, une information négative? Ils avaient l'habitude de se retrouver, de manger, et autour de la table, de se faire des signes, comme quoi, bon, ça y est, on est bien d'accord, on va ceci, on va pas faire cela. On se met d'accord autour de la table. C'est intéressant de voir comment la table qui fait intervenir la bouche pour manger est aussi le lieu dans lequel on parle, et où la parole est plus... On sait tous très bien ce que ça représente à un repas d'affaires. Beaucoup de gens ici le font de plus en plus. C'est la mode. Mais c'est quoi qu'est-ce qui se passe dans le dîner d'affaires? Il y a un feeling qui passe, il y a manger ensemble, c'est se rapprocher l'un de l'autre. Et une fois qu'on rapproche l'un de l'autre, on va pouvoir parler d'affaires plus facilement. On est d'accord? Donc en fait, il y a ici une notion de l'otechoul kursit, c'est-à-dire l'interdiction de l'otelerachit, c'est de ne pas manger avec son prochain dans le but de finaliser une information, de la faire valider, de la faire accepter, etc. Alors le mot kurtseon, c'est encore plus vicieux, ce sont des clignements d'œil. C'est-à-dire que dans le groupe, il y a différentes personnes et vous ne voulez pas que certaines personnes sachent que vous avez parlé avant avec quelqu'un d'autre. Donc vous faites des clins d'œil. Certaines personnes ne doivent pas comprendre de quoi il s'agit. Les autres, ceux qui doivent comprendre, ont compris. Et ça se passe comme ça autour d'une table. Une table de... Alors, je voulais vous donner un petit peu le ressenti que j'ai. C'est que la table est là pour rapprocher les hommes. Et cette table-là est une table qui est là pour écarter des hommes, critiquer, éloigner. Donc on utilise ce pourquoi Kadosh Baruch Hu a créé la convivialité pour créer à travers cette convivialité l'exclusion de l'autre. Et donc ça, c'est grave. Parce que Kadosh Baruch Hu nous a donné des kohot dans un but bien précis et on utilise ces kohot pour le contraire. Donc, il faut réaliser de la gravité de cette chose-là. Donc, je voudrais continuer parce que tous les psukim se suivent et se complètent l'un l'autre. Donc, juste après « L'otelech rachil be'amecha », il y a le verset de « L'otamod al damrecha ». L'interdiction d'être littéralement debout sur le sang de ton prochain. Alors, pourquoi cette phrase est là à ce moment-là? Pour différentes raisons. Non-assistance à personne en danger. Donc, si quelqu'un se noie, tu plonges pour le sauver, ça c'est clair. Ensuite, notamment Adam Recha, c'est parce qu'il y a une halakha, c'est que si on dit, si quelqu'un veut dire du Lachonara, eh bien, ce Lachonara est interdit à condition que ce Lachonara est là pour détruire l'autre. Mais si c'est pour protéger quelqu'un, donc exemple, s'il y a un shidour qui est en préparation, qu'il y a une association à faire entre deux hommes d'affaires, si vous savez que l'homme d'affaires est un homme véreux et dangereux, un vrai, eh bien vous devez le prévenir. Je vais vous raconter une petite histoire juste pour que j'ai appris cette semaine. Cette semaine, le Rav Shlomo Kanievski était présent à Paris et son fils, donc le petit-fils de Rav Chaim Kanievski, j'étais avec lui en voiture. Et donc le petit-fils de Rav Chaim, il me raconte une histoire, il me dit voilà mon grand-père, quelqu'un est venu lui parler, donc Rav Chaim Kanievski, je suis venu lui dire je voudrais acheter un appartement. Alors, Abnei Brak, machin, telle adresse. Il voulait la bracha pour acheter l'appartement. Réponse du Rav, va chez le coiffeur. Alors, c'est vrai qu'il a été très... Attends, Rav, j'étais chez le coiffeur il y a une semaine. Il était bien, il n'avait pas de... Genre, des fois, il avait peut-être une chevelure. Non, il était allé chez le coiffeur une semaine avant, il n'avait pas besoin d'y aller. Il répète, va chez le coiffeur. Bon, le Rav, il a dit, on fait. Il va chez le coiffeur. Et le coiffeur dit, mais attends, je t'ai coiffé il y a une semaine, je vois pas pourquoi tu reviens maintenant. Il lui dit, mais c'est le Rav qui m'a envoyé ici. Il dit, mais pourquoi il t'a envoyé ici? Parce que je vais acheter un appartement. Il me dit, de quelle adresse l'appartement? Il dit, telle adresse, ça me braque. Il lui dit, surtout n'achète pas. Il dit, pourquoi? La troisième personne, c'est un escroc. Il essaie de vendre cet appartement, mais c'est un appartement où il y a des gros problèmes, surtout ne l'achète pas. C'est pour ça que le Rav t'a envoyé chez moi.
Bon, maintenant, il faut savoir que le coiffeur, il sait tout ça. Mais ça, c'est des histoires pour vous dire qu'il faut, il y a effectivement l'otamad adam recha. Il faut, lorsqu'il y a des escrocs, il faut les donner leur nom. Et c'est sûr, on n'a pas le droit de dire « Ah, pas de la chanara, pas de la chanara ». Même chose dans les renseignements pour ce qu'on appelle le toilet, c'est-à-dire pour un but constructif, c'est une mitzvah. Celui qui ne ferait pas serait responsable. Non seulement il faut répondre, mais même il faudrait appeler. Vous savez qu'un monsieur, il a des problèmes gravissimes. Vous lui dites à son associé futur, je t'appelle, on m'a rien demandé, mais je te mets en garde, je pense à toi, j'ai de la peine pour toi, tu vas te faire avoir. Attention à toi. Et donc c'est une mitzvah de l'otamadamera. Maintenant, sachez que le satan, Sarah, il est comme d'habitude en train de travailler dans le sens contraire de ce que la Torah nous veut. Lorsqu'on nous demande des renseignements et qu'on a le droit de donner des renseignements négatifs, dans ces cas-là, on se tait. Et lorsqu'on nous demande, et lorsqu'on n'a aucune raison de dire du mal, on y va. On trouve toujours des excuses. C'est comme ça la vie, mais c'est intéressant qu'on a mis à côté l'otel rachil bamecha, ne va pas dire du lachonara, ne fais pas de ménisance, et juste après l'otahamod al damrecha, mais ne sois pas à côté du sang de ton prochain, c'est-à-dire non-assistance à personne en danger. S'il faut sauver quelqu'un, si c'est pour l'aider, dis du mal. Mais pas du mal, c'est pour aider celui qui... D'accord ? Donc le lien entre les deux phrases est ça. Maintenant, vous le savez tous, c'est une halakha évidente. On a l'obligation, lorsqu'une personne est dans une difficulté, de ne pas le laisser tomber et de l'aider pour qu'il ne... L'irot, Rashi nous dit, l'irot bemitato ve'ata yachol lehatsilo que gonto ve'a banahar ve'chaya olistim ba'imalav. Il est en train de se noyer dans le fleuve, ou bien il y a une bête sauvage ou des brigands qui viennent l'attaquer. D'accord ? Ensuite, on regarde la suite intéressante de ces versets. Lotisna et achicha bilvavecha. L'interdiction de détester son prochain dans son cœur. Alors, là encore une fois, on est. L'interdiction, ayez ou détester, c'est la même chose. Ah bon, c'est moins grave. Lotisna et achicha bilvavecha, c'est dans ton cœur. Ça veut dire que si par exemple, quelqu'un m'a blessé, mais moi, je ne le montre pas. Je ne montre pas, mais je suis blessé. Et je lui fais des sourires, et je lui fais tout comme si de rien n'était. Mais au fond de moi, je lui en veux, je lui en veux, je lui en veux. Ça s'appelle l'otista et tachicha bilvavecha. On n'a pas le droit d'en vouloir à quelqu'un dans son cœur. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça ne soit plus dans le cœur ? Eh bien, il y a une solution très simple, c'est de le lui dire. Mais comment lui dire ? Il faut le dire avec beaucoup de doigté. Donc voilà, écoute, cette phrase, cette attitude m'a blessé. Je t'en fais part, je te dis, voilà, j'ai été blessé. Maintenant, encore une fois, c'est vrai que j'attends des excuses de ta part. Je continuerai à faire, en te voyant, je ne ferai pas le lourd, je ne vais pas tourner la tête lorsque tu me tends la main, et je ne vais pas faire ça, mais faut que tu saches que c'est quelque chose qui est lourd pour moi, difficile à supporter. Je préfère que tu le saches. Ça s'appelle l'otisna. On donne par exemple l'exemple des frères de Yosef. Les frères de Yosef, ils ont un grand tort, c'est d'avoir détesté leurs frères, mais au moins ce qu'il y a de clair, c'est que Yosef était au courant que ses frères le détestaient. C'était pas dans leur cœur, c'était clair, net, qu'ils lui en voulaient. Alors, c'est pas bien parce qu'il faut pas détester quelqu'un, mais au moins, c'était pas sournois et par derrière. Donc, ça a des conséquences très importantes, cette phrase, ça nous oblige des fois à aller vers des gens qu'on n'a pas très envie. Alors, on peut des fois envoyer un intermédiaire, on peut envoyer un message par mail, mais en tout cas, on essaye de faire en sorte que la personne ne soit pas trompée par notre attitude qui a l'air sympathique sur ce que nous attendons de lui. Nous attendons de lui des excuses, et c'est comme ça qu'on peut éventuellement régler des problèmes, parce qu'après, on voit ça par exemple dans les couples. Il y a des fois une femme qui est très blessée par son mari, mais qui ne dit rien. Et pendant des mois, elle ne dit rien. Et ce qui se passe en général, c'est que le jour où la coupe déborde, ça ressemble plutôt à une... un tsunami, j'aurais dit un volcan en éruption... Et le monsieur, il est choqué. Il dit, mais franchement, qu'est-ce que j'ai... Pourquoi tu te m'énerves comme ça ? Mais j'ai rien fait de grave. En fait, la réponse, c'est qu'elle a fait... Là, tu n'as pas fait quelque chose de très grave. Mais c'est une accumulation de choses qui n'ont pas été réglées.
Donc, ce qu'il faut faire, c'est que il faut qu'elle, de temps en temps, lorsque c'est un moment, on va dire, plus tranquille, il faut lui dire, voilà, tu sais, cette attitude, elle me dérange. Ça me blesse. Tu t'en rends pas compte, mais moi, ça me blesse. Et le faire avec kavod, en respectant. C'est pour ça que juste après, c'est écrit, Ocher, tocher et amitecha. Tu dois réprimander ton peuple. C'est-à-dire, au lieu de regarder dans ton cœur, dis-leur, dis-le. Mais attention, Ocher, tocher et amitecha, velotissa à la frette. Ne le fais pas devant du public, un public. C'est-à-dire, si tu as une réprimande à faire, tu le fais pas devant des gens. Parce que si tu le fais devant des gens, il va avoir honte. Et on n'a pas le droit de lui faire honte en public. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que chaque phrase ici, elle est pensée pour qu'il y ait une sorte d'organisation, de réorganisation de relations avec l'autre. Donc, le problème, en fait, c'est que notre référentiel, c'est nous, en fait, c'est pas l'autre. Donc l'autre, il a vexé, effectivement, probablement, on l'a dans le cœur, mais l'autre, il voit pas pourquoi il nous a vexé. Exactement. Donc, on va le voir, on lui dit, tu m'as vexé. La personne, souvent, n'est même pas au courant, ne se rend même pas compte qu'il nous a vexé. Et c'est ça le problème. Mais c'est que comme il. Je ne comprends pas pourquoi il nous a vexé. Pas sûr. Alors. Je crois que. Alors en fait, je vais expliquer quelque chose. Il y a des gens qui me disent des fois, cet homme est trop sensible. Voilà. Moi, c'est ma façon de parler. Je ne suis pas du tout dans le. Je ne viens pas du tout te blesser. C'est pas du tout mon idée. Et pourquoi tu te vexes, etc. Alors, vous ne pouvez pas faire plus que ce que je vous ai dit. C'est-à-dire, vous devez lui dire, cette façon de parler me blesse. Cette blague que tu as donnée devant tout le monde m'a blessé, je ne sais pas. Et même si la personne te dit, je ne comprends pas, moi j'ai des copains, ça leur fait pas du tout, ils prennent ça très bien. Le principe des relations humaines, c'est que on ne peut pas imposer à quelqu'un nos normes. C'est-à-dire que si par exemple j'ai une norme où je tchâche avec tout le monde, je me moque de tout le monde, et j'attends que les gens... Ils passent, ça ne les dérange pas. Je ne peux pas imposer aux gens ma norme à moi. C'est-à-dire que je dois faire en fonction des gens. Ça veut dire que Bachamaïm, on ne va pas me dire « Ah, toi, tu l'aurais fait avec ton frère. Tu le fais avec... » Voilà, tu parles comme ça à ton frère et ton frère, il rigole, il trouve ça très sympathique. Mais ton ami ou ta connaissance, elle trouve absolument ça terriblement antipathique et désagréable. On fait en fonction de qui ? En fonction de la personne qui a été blessée ou de la personne qui a blessé, qui pense que franchement, c'est sa façon d'être, c'est sa façon... Je pense qu'on a tous compris ici qu'Akadosh Baruch Hu nous demande de faire en fonction de la personne. Hein. Maintenant, si quelqu'un est ultra, ultra sensible et qu'il est dans une folie de... Il y a des gens comme ça hein, qui sont particulièrement, etc. Là, il faut poser une chela à un rav, parce que moi, je ne peux pas permettre quelque chose comme ça, parce que des fois, ça devient insupportable. C'est tellement... je connais une personne comme ça, elle est ultra, ultra sensible. À la limite, tu te dis, mais... Tu peux plus, tu as peur de la voir parce que tu te dis, si je dis un mot, une phrase, un sourire un peu en coin, elle va tout de suite mal le prendre, elle va croire que je pense. Des fois, ça devient insupportable. Donc, avec cette personne, soit on s'arrange, soit on pose la shela à un rav. Mais c'est une shela, c'est une question. C'est pas la plupart, je vais vous dire, le vrai problème des relations humaines. C'est que la plupart des gens se disent, ah bon, c'est une question gentille, pas gentille, une question purement, on va dire, d'organisation de relations sociales. Or, c'est des lavines de la Torah, c'est des interdictions de la Torah. On transgresse quelque chose de très grave. Et on ne s'en rend pas compte que c'est très grave. Mais Bachamayim, ça c'est inscrit en lettres rouges. On peut pas se dire, ouais, il est trop sensible, ouais... De la même façon que lorsque tu manges kasher, tu aurais quand même beaucoup de mal à prendre un produit où il y a un safek, où il y a un doute si c'est chametz, où il y a un doute si c'est du porc ou des choses comme ça. Rila. Donc tu fais attention à la kasheroute d'une façon particulièrement vigilante. Pourquoi tu ne ferais pas attention dans tes relations avec l'autre à être rochèche, à avoir la peur? Peut-être je vais le blesser, peut-être que ceci, peut-être que cela. Même si c'est très lointain et même si c'est un safek de Oraita, la Chumra. Parce qu'un safek de la Tadin Torah, on va à la Chumra. Pourquoi la Kashrut, on fait tellement attention et les relations humaines, on se permet des choses. Donc il faut faire très attention d'être faire un hidour, au contraire, d'être particulièrement disant. Cette paracha, c'est ça son message principal. Entre autres, hein, il y a beaucoup de messages en Kedoshim, mais elle est extrêmement riche. Mais elle est très riche aussi en relations humaines. Énormément de halakhot. Par exemple, ne pas voler, c'est écrit ici. D'accord ?
Ne pas mentir, c'est écrit ici. Il faut payer le salaire des employés à temps, c'est écrit ici. L'interdiction de donner des mauvais conseils, c'est écrit ici, etc. Il y a tout qui est là, c'est ne pas se venger. L'oticor velotitor, vous savez ce que ça veut dire, l'oticor velotitor ? On n'a pas le droit de se venger. Quelqu'un nous a fait une crasse et il est en train de... Il fait comme si de rien n'était. Et toi, tu lui en veux absolument terriblement. Dans ce cas-là, il y a des halakhot qui nous disent, si quelqu'un a été blessé, tu n'es pas obligé de lui pardonner sans qu'il te demande des excuses. Tu n'es pas obligé. Ça, il faut savoir. On n'est pas obligé de pardonner à quelqu'un qui ne nous a pas demandé des excuses, s'il nous a blessés, d'accord ? Maintenant, c'est une madriga très élevée de le faire. Je n'ai pas dit que c'est pas... Mais c'est une madriga très élevée qui n'est pas exigée par la Torah. Donc, si on m'a blessé, je suis en droit d'attendre des excuses. Maintenant, suite à cet acte-là, comment je dois me conduire avec lui ? Je dois lui faire comprendre que j'ai été vexé. Ça, d'accord. Maintenant, s'il me demande un service, comme si de rien n'était, il m'a blessé, après il dit, prête-moi ta voiture, prête-moi ton appartement, prête-moi ceci, prête-moi cela, tu dois lui prêter. Non seulement tu dois lui prêter, tu n'as même pas le droit de lui rappeler, ah, moi je suis un type sympa, je ne suis pas comme toi qui... On n'a pas le droit de dire cette phrase. C'est incroyable, c'est dur, hein, c'est pas évident. Mais par contre, on doit lui faire savoir qu'on attend ses excuses. Vous comprenez, c'est deux choses différentes. On n'a pas le droit de le traiter autrement dans certains, dans le prêt d'objets, par exemple. Mais on doit effectivement lui faire savoir qu'effectivement, on a... Parce qu'il ne faut pas que ça reste dans notre cœur. Mais encore une fois, la Torah, vous savez, elle est humaine, elle comprend les difficultés que nous avons tous à subir des humiliations et des fois des gens qui nous volent, qui nous doivent de l'argent, qui font comme si de rien n'était, tout cela, c'est des choses qui existent. Alors, il y a des règles et ces règles-là, il faut s'intéresser dans la Torah comment les régler. Et ce n'est pas la logique humaine qui prévaut ici. C'est des halakhot avec des poskim, avec des rabbanim qui doivent répondre. C'est pas je fais ce que je pense, ce que je ressens. Pourquoi dans les relations humaines, il n'y aurait pas de la Torah comme il y a de la Torah dans la Kashrout et l'Ilchot Nida et l'Ilchot Shabbat. D'accord ? Aucune raison. Betzedek Tishpot Amitecha. Donc ça veut dire que si quelqu'un, Betzedek Tishpot Amitecha, il faut juger l'autre favorablement. Mais si quelqu'un m'a blessé, c'est un fait, tu as été blessé. Donc même si tu le juges favorablement, deux secondes, tu le juges favorablement, tu vas dire, bon, le pauvre, il avait sa femme lui a fait une sale coup, et il est pas bien dans sa peau, c'est pas moi qui visais, il est agressif parce qu'il vit mal ceci, il vit mal cela. C'est sûrement une très bonne attitude, tu ne dois pas le juger. Mais toi, tu ressens encore un ressenti très fort, tu lui en veux. C'est comme ça, si tu n'arrives pas à t'en sortir, j'arrive pas. Donc même si tu le juges favorablement, Alvaï, si tu arrives à le juger tellement favorablement que finalement, à force de le juger favorablement, tu te dis, je lui en veux plus. Oui, je sais qu'il vit des souffrances diverses et variées et que sa réaction, c'est le fruit de ses souffrances. Bravo, magnifique, Mazal Tov. Donc tu as aucun grief avec lui. Mais si tu n'arrives pas à dépasser ce ressenti, tu dois lui faire savoir. Mais tu vois pas un peu parler, Rav. Non, quand c'est le prof qui vous rabaisse, vous pouvez payer un imbécile. Maintenant, la dernière phrase qui termine toutes ces phrases que nous avons commentées, c'est donc l'oticom et l'otitor ben armecha. Donc il ne faut pas se venger, comme on a un petit peu expliqué. Ve'ahavta le'reacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. En fait, la Gemara dit, ne fais pas à l'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse à toi. Donc, en fait, c'est une traduction un peu spéciale. C'est que ce n'est pas du tout ce qui est écrit. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Traduction de la Gemara, ne fais pas à l'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse à toi. Ça veut dire qu'en fait, la Gemara considère que c'est pas possible en réalité, d'aimer tout le monde. Enfin, c'est aimer vraiment tout le monde, c'est pas facile. C'est un travail, mais... Mais ce qu'on peut faire... Non, mais ce qu'on peut faire. Donc tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça veut dire que l'autiste. Tu vas sortir. Tu aimes pas Israël.
Donc l'autre dit, donc, ça veut dire que tu ne feras pas à l'autre ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse à toi-même. Ça veut dire qu'en fait, comme aimer l'autre d'une façon positive, c'est quelque chose qui est très difficile, d'accord ? Je ne pense pas que c'est tellement réalisable pour tout le monde. Enfin, il y a des gens qui ont cette force-là d'aimer tout le monde, je pense que ça existe. Mais je pense qu'au niveau de la masse, de dire que tout le monde va aimer tout le monde, même des gens très différents, même qui sont trucs, c'est pas facile. Donc la Torah dit, voilà, peut-être qu'on ne peut pas te demander d'aimer, mais au moins, fais et du respect pour l'autre, c'est-à-dire de faire en sorte de ne pas le froisser, parce que, et de ne pas le froisser comme les gens que tu aimes. C'est-à-dire que la façon que tu aimes, tu vas tout faire pour ne pas le froisser, même si, parce qu'il y a des gens qu'on aime moins, on fera moins attention de ne pas le froisser. Mais quelqu'un qu'on aime beaucoup, on va faire très attention de ne pas le froisser. Donc fais un maximum de vigilance par rapport à l'autre, de ne pas le froisser, comme si c'était ton ami. Ça, c'est du respect. Ce n'est pas du don, ce n'est pas de l'amour. Et de ce point de vue-là, c'est plus facile à réaliser. D'accord ? C'est ça que la Torah a voulu faire. De nous dire, le niveau du respect de l'autre doit être du niveau de quelqu'un que tu aimes comme toi-même. Mais on ne t'oblige pas à l'aimer, on t'oblige à le respecter. Et en tout cas, à faire en sorte de le respecter autant que tu respectes des gens que tu aimes. Donc ça, ce point-là, c'est la fin de ces différentes phrases qui commencent, et je vous le rappelle, par le début, « Betzedek tishpot amitecha », l'obligation de juger l'autre favorablement. D'accord ?